Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue aux Bibliothèques Idéales, une fois de plus, mais cette année sans livre à défendre pour cette rentrée littéraire. Alors, j'ai un livre, mais il est sorti en janvier. Oui, donc c'est ça. C'est déjà un vieux grimoire poussiéreux. Ouais. On a déjà reçu à cette occasion la librairie Kléber, d'ailleurs, je m'en souviens. Alors Frédéric, c'est peut-être l'occasion justement de vous parler du monde de l'édition. Est-ce que la littérature, est-ce que le roman en particulier, sont encore raccord avec le monde tel qu'il est? Est-ce que le roman apporte encore des réponses ou des pistes? Je l'espère. Je pense que la littérature française contemporaine elle est très connectée avec tout ce qui se passe. Les romans de la rentrée abordent les sujets, je crois, du monde contemporain. Non, je pense. Mais, il y a encore une pertinence de réponse. Est-ce que le rôle des artistes, c'est d'avoir des réponses? Moi, je pense que c'est plutôt de poser des questions embarrassantes, énervantes, avec humour, avec émotion. Mais les réponses, c'est plutôt les politiciens ou les scientifiques qui peuvent les trouver. Mais c'est bien pratique d'être écrivain pour cette raison-là, d'ailleurs, parce qu'on peut agiter des questions sans proposer de solution. Il y a 17 ans, vous étiez essayé à cette actualité. Windows of the World était paru très peu de temps après, malheureusement, le tragique événement que nous commémorons aujourd'hui, 17 ans après. Oui. Windows of the World était, si ce n'est une réponse, je ne sais pas, mais en tout cas une tentative réussie, à mon sens d'ailleurs, d'évoquer un événement planétaire. Oui, c'était, je crois, le premier roman au monde sur cette tragédie du 11 septembre. Il y en a eu beaucoup depuis. À l'époque, on m'est tombé dessus d'ailleurs, on m'a dit « mais comment osez-vous ?» C'est bien pour ça que je posais la question. « Comment osez-vous aborder un sujet aussi horrible ?» Et puis après, Jay McInerney, Jonathan Safran Foer, beaucoup d'Américains ont écrit sur le 11 septembre. Pourquoi j'avais fait ce livre? Je crois que j'avais essayé d'abord de imaginer ce qui s'était passé et puis d'essayer de comprendre d'où c'était parti et ce qui allait se produire ensuite. C'était un objet littéraire, un bel objet littéraire, hein, je le confirme. C'est ce qui est étrange avec ce genre d'événement, mais c'est valable aussi pour le Bataclan, c'est qu'il y a une médiatisation immense et en même temps un silence sur l'événement lui-même. Et on a toujours un peu de mal à ressentir exactement ce qui s'est produit. C'est comme si c'était tellement visible que ça en devient invisible. Un roman particulier que vous auriez repéré dans cette rentrée littéraire? La question est un peu piège, on n'a rien préparé, mais... Oh, mais moi, j'écris toutes les semaines sur des romans. Alors là, c'est Pierre Guyotat dans le Figaro vendredi prochain. Le livre s'intitule « Idiotie » et c'est le roman le plus intelligent de la rentrée. Il est déjà sorti, j'imagine. Hein. C'est chez Grasset. Guyotat a souvent raconté sa jeunesse et sa guerre d'Algérie. Et ben, il recommence encore une fois, mais c'est vraiment très très brillant. C'est d'arriver à faire de la poésie avec quelque chose d'aussi noir. Ben, écoutez, voilà, ça rejoint un petit peu l'anniversaire d'aujourd'hui. Un roman en préparation pour terminer? Un roman, non, mais le mois prochain, le 17 octobre, sortira un recueil de 99 essais. Vous savez que ce titre m'a porté chance autrefois. Je pense qu'on se rappelle un petit peu. Oui. Et donc, c'est intitulé « La frivolité est une affaire sérieuse ». Eh bien, j'espère que vous allez venir nous le présenter à Strasbourg. Avec plaisir. Merci Frédéric. Merci beaucoup.